Bonjour à tous et à toutes, c'est Colo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, le mode de jeu Blackout. Écoutez, c'est un mode de jeu que j'attendais pas particulièrement. Et mon avis a-t-il évolué? Mon avis a-t-il changé depuis que j'ai joué à cette bêta? Déjà, regardez. Coucou, comment ça va? Le mec qui s'est enfui, mais le problème c'est que je connais un petit peu la map, hein, vois-tu? Voilà, bon là il m'a un peu brain, mais bon. Quand tu joues contre Coloredo, voilà, tu finis comme ça. Premier frag de la vidéo. Donc ouais les gars, mon avis a-t-il changé? Attention, Mon avis a-t-il braquage de évolué? ravitaillement imminente. Bah écoutez, Réduction du réponse cercle dans cette imminente. vidéo. Mettez-vous en lieu sûr. Donc bêta fermée. Il faut avoir un code pour jouer à cette bêta. Et pour les gens qui vont me dire dans les commentaires, t'as pas un code pour moi? Allez vous faire enculer les gars, d'accord? Je ne suis pas comme tous ces youtubeurs qui vous font rester 30 minutes à voir leur gameplay pour à la fin vous offrir deux codes, trois codes de merde, d'accord? Restez si vous voulez voir un gameplay, si vous voulez connaître mon avis. Partez si vous voulez que je vous donne des codes. Voilà, je suis pas votre marchand, quoi. Je suis pas Leclerc, d'accord? Si vous voulez un code, trouvez-le vous-même. Donc voilà. Mon avis a-t-il évolué? Mon avis a-t-il changé? Bah écoutez, non. Non, voilà, non. Alors oui, les gens vont me dire, ouais, mais le jeu est quand même cool. Tu peux avoir des quads, tu peux conduire des véhicules, tu vois, des gros camions. Tu peux avoir un hélicoptère, tu peux jouer à 2, à 3. Putain, c'est ouf! Oui, les gars, c'est un peu comme Fortnite, mais bah, c'est payant, quoi. Voilà. C'est le même genre que Fortnite. C'est le même genre que PUBG. Mais c'est Call of Duty. Voilà, deuxième frag, hein, voilà. C'est Call of Duty en Battle Royale. En gros, hein, c'est ça. Alors moi, je me suis dit, et comme j'ai pu en parler à quelques potes, qui ne veulent pas entendre, hein, qui veulent pas écouter, mais je vais quand même le redire, car j'ai encore le droit de dire ce que je veux. Comment Call of Duty compte s'y prendre? Pour battre Fortnite. Non mais quand je vois des commentaires des développeurs qui disent ouais, notre Battle Royale, ça va être le meilleur. On a fait un travail incroyable. Vraiment, on a fait un gros travail. Notre Battle Royale va être meilleur que PUBG, va être meilleur que Fortnite, va être meilleur que H1Z1. Ça va être le meilleur Battle Royale, enfin! Et quand j'entends les gens dire, ouais, il est bien. Ouais, franchement, il est bien. Ah ouais, franchement, il est cool, ces Battle Royale. Quand j'entends les gens parler comme ça, quand je lis les développeurs, eh bien, je m'attends à un jeu quand même plutôt beau graphiquement, avec un gameplay plutôt agréable, avec des joueurs qui soient facilement tuables. Tu vois, et pas vider un chargeur pour tuer un gars. Je m'attends à un mode de Battle Royale agréable. Voilà, et bien là, on a tout simplement un jeu qui est totalement moche, avec du clipping, avec graphiquement une grande map qui est digne d'un créateur studio. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est très clairement des amateurs qui ont fait la map. Tu vois? Bon, les deux stagiaires là, faites la map du prochain Blackout. Ouais! Bon, alors, on va mettre toutes les maps de Black Ops 2. Allez, hop! Les gens, ils kiffent Black Ops 2, tu vois? On va mettre toutes les maps de Black Ops 2. Oh, les mecs, ils vont être en train de jouir et tout. Oh, ça va être énorme. Alors, oui, les gars, mais c'est pas la peine de foutre toutes les maps de Black Ops 2 et quelques maps de Black Ops 1 et Black Ops 3. Pour qu'on soit. Attention, réduction Waouh, supplémentaire prévue. incroyable! Envoyez une Quel zone de bon sécurité. jeu! Ah oui, mais les gars, graphiquement, les gars, vous comptez encore nous mettre le même moteur pendant combien de temps là? Pendant encore 20 ans? Dans 20 ans, les mecs, on aura encore le même moteur graphique? On est bientôt en 2019. Bientôt même en 2020.
2020. Et on a encore le même moteur graphique qui date depuis 20 ans. Mais tout le monde s'en branle. Voilà. Battle Royale, ouais, Battle Royale. Oui, mais le moteur graphique, bon, bah, j'en bats les couilles, moi, je m'en fous si je joue à un jeu PS2. Moi, c'est pas grave, m'en fous. C'est du gros Battle Royale, je m'en fous, moi, si c'est un jeu PlayStation 2. Attends, Battle Royale, Call of Regarde, Duty, on pom est pom allé pom en pom. éliminant. Voilà, les gens sont incroyables. Même Fortnite, qui n'est pas un jeu que je porte dans mon cœur, est plus beau que Call of Duty. Fortnite, un jeu gratuit, un jeu totalement nul, il est plus beau que Call of Duty Blackout. Alors, vous me croyez pas? Regardez bien Réduction du cercle maintenant. imminente. Mettez-vous en D'accord, les gars? lecture. Regardez bien. Dans quelques minutes. Regardez bien. Regardez. Non, toujours pas. Alors, attendez. Regardez bien l'arbre qu'il y a au bout de la map. Là-bas. Là-bas, l'arbre, là. Voilà, hop! Incroyable! Incroyable! Nous sommes dans un mode Battle Royale Call of Duty 2018, bientôt 2019. Incroyable! Voyons, les gars, c'est incroyable! Et les gens me disent, ouais, il n'y a pas besoin d'avoir de campagne dans ce Call of Duty. Alors, les conneries que je peux entendre, et puis surtout, jeuxvideo.com. Alors, jeuxvideo.com, qui est donc un site de jeux vidéo professionnels, avec des gens quand même assez pros dans leur métier. Les mecs vont nous dire, ouais, on dirait du Just Cause, hein. On dirait du Just Cause. Car dans Just Cause, on a les maps de Black Ops, peut-être. Dans Just Cause, on a un gameplay FPS. Dans Just Cause, on peut détruire tout ce qu'on veut. Dans ce Battle Royale, on peut pas détruire ce qu'on veut. C'est un Battle Royale mort. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Mais on dirait du Just Cause, hein? Car pourquoi? On a un grappin. Waouh, incroyable! On a un grappin, Just Cause, ouais, Just Cause. Non mais sans déconner, mais vous êtes professionnels? Vous êtes quoi, les gars? Vous êtes une bande de What the fuck, quoi? On a un grappin, le mec Just Cause. Non mais sans déconner. Non, on n'est pas dans Just Cause. On est dans Farming Simulator, ok, mais on n'est pas dans Just Cause, quoi. Le jeu, il est moche. Just Cause, c'est un beau jeu. Voilà, faut arrêter un peu les conneries, quoi. Just Cause, c'est un jeu TPS. Avec du grappin tout le temps, il n'y Attention, a pas de réduction Battle du cercle Royale. attendue. Qu'est-ce Rejoignez que une tu troupe. me chantes avec ton Just Cause? Non mais sans déconner, alors s'il y a quelques coupures, comme vous pouvez le voir, c'est que la capture a planté. Hein, donc voilà pourquoi il y a pas mal de coupures. Et voilà pourquoi j'ai du mal à faire des gameplays en live. Hein, donc je m'excuse pour ces petits problèmes de coupures assez chiantes. Mais bon voilà, je peux pas faire autrement. On peut voir aussi que je suis level, que je suis level, qu'on n'est plus que 11 dans la map. Et voilà, j'ai fait deux frags, donc c'est Imminente. quand même Mettez-vous en plutôt lieu pas mal sûr. pour une deuxième, troisième game que je faisais dans le jeu. Donc voilà. Également, bah écoutez, voilà, pas de campagne. Pas de campagne. Et le jeu va bien se vendre. Il n'y a pas de campagne et le jeu va bien se vendre. Ravitaillement en Vous croyez approche. vraiment que des développeurs qui font des jeux comme Spider-Man vont vouloir refaire un jeu comme Spider-Man derrière? Quand on voit qu'un jeu comme Call of Duty va bien se vendre, alors qu'il n'y a pas de campagne, il y a du multijoueur tout le temps, alors que à la base, tous les Call of Duty depuis le premier, tous les Call of Duty ont toujours eu un mode campagne. Eh bien, vous croyez vraiment que des développeurs vont vouloir faire un autre jeu, vont vouloir faire d'autres jeux avec des modes campagne quand ils voient que le Battle Royale marche? Et ça vous rend pas un peu triste de voir que Call of Duty, qui est une légende quand même de jeux vidéo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Call of Duty reste un jeu culte, reste une série culte du jeu vidéo, ça vous rend pas un peu triste
de voir que Call of Duty est tombé dans la mode Battle Royale en un an. Les mecs n'ont pas eu la moindre idée de comment faire un jeu vidéo. Ils ont vu que Fortnite marchait. Battle Royale, les gars! Battle Royale! Allez hop! Battle Royale. Call of Duty Battle Royale. Ça vous rend pas triste? Non? Bien, moi, les gars, ça me rend triste. Voilà. Quand je repense à Black Ops 1, Black Ops 2, voilà, quand je repense à Raúl Menéndez, qui est le personnage que je contrôle dans le jeu, là, quand je repense à lui, ben voilà, ça me met pas mal de souvenirs. Et les gens, ils vont voir que du Battle Royale de merde. Voilà, Réduction maintenant, supplémentaire Call of attendue. Duty, Rendez-vous dans la zone de sécurité ça va indiquée. être que du Battle Royale. Ça vous rend pas triste, vous? Et je parle de Call of Duty, on pourrait aussi parler de Battlefield. Battlefield 5, pareil! Les mecs, pareil! Pas d'idée! Aucune idée! Battle Royale, les gars! Allez, Battle Royale, on y va! Battlefield! Pam 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 pam! Battle Royale, allez hop! Les mecs, non mais franchement! Franchement! Et donc là, j'ai vu un Réduction du joueur à cercle droite, hein, mais imminente. Le dévoreur est sûr. quand on joue, on n'est pas aussi bien concentré que quand on regarde. Oui, j'ai vu le joueur, hein. Et je vais le voir également maintenant, normalement, dans quelques minutes. Voilà, c'est bon, je l'ai vu. Alors, heureusement que lui m'a pas vu. Voilà, on y va, c'est parti, on commence à shooter. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. On a une armure aussi. Donc, armure niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Voilà, c'est pas incroyable non plus. Donc, vais-je réussir à le tuer ou pas? C'est la grande question. Voilà, je suis pas très bon non plus, hein. Voilà, j'avais un truc là, je sais pas ce que c'est. On dirait des lance-grenades. Écoutez, j'ai voulu essayer, bon. Et donc là, je me suis dit, le mec a pas l'air hyper bon en face. Du coup, on va le rusher. Voilà, j'avais un doute, mais bon, au final, on va y aller dans quelques minutes là. Alors, on va le rusher ou pas, les gars? On va le rusher? Ouais, le problème c'est que je me méfiais, hein, vu qu'il y avait encore trois autres joueurs Attention, pas très braquage de loin, donc ravitaillement c'est imminent. pour ça que je me méfiais. Ouais, du coup, on y va, c'est parti. Le mec me voit, vous voyez. Le mec me voit le rocher. Ouais, je perds un peu de vie. Grenade. Attention, réduction Il me supplémentaire semble que je l'ai attendue. touché. Donc là Bien je le joué. rush. Et là, oh putain le bug. Ah putain, bah du coup on verra pas quand je l'ai tué. Mais je l'ai tué. Voilà, je l'ai eu, putain, ok. Cool le bug de capture, hein. Magnifique. Donc voilà, je l'ai tué, je l'ai rushé. Et vous voyez qu'on n'est plus que deux dans la map. Réduction du cercle imminente. Le Vais-je dévoreur est sûr. réussir à faire un top 1? Franchement, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je suis pas très bon, mais bon, on va quand même essayer. Mais vous allez voir que je vais faire une technique pas très bonne. Bref, donc qu'est-ce que je voulais vous dire au final? Bah écoutez, voilà, Battle Royale pour moi c'est pas pour moi. Voilà, moi je veux une campagne, je veux une histoire et Call of Duty qui se met à la hauteur d'un Fortnite, sachant que Fortnite est gratuit, Call of Duty va coûter 70 euros, les gars. Instabilité 70 majeure euros. détectée. Évacuez vers la zone de Vous sécurité. croyez vraiment que Call of Duty va vaincre Fortnite? Peut-être, peut-être, avec tous ces influenceurs. Peut-être. Mais moi j'ai un doute. Mais moi j'ai un doute. Ok, les gars, donc voilà. Pour moi, décevant. C'est pas mon genre de jeu. Voilà. J'ai pas aimé cette bêta. Voilà, c'est moche.
pas d'ambiance. Ok, on peut conduire des quads, on peut conduire Rapport de des situation. hélicoptères, vous le voyez pas Réduction du là, mais on cercle peut le faire. imminente. Mettez-vous au lieu Voilà. sûr. Et non, c'est pas du duel de cause, hein. Faut pas non plus être con à ce point. Voilà, non, c'est pas du duel de cause, faut pas déconner non plus. Donc voilà, donc là vous voyez, je fais n'importe quoi, je m'accroupis et tout, c'est une très mauvaise idée. Alors que j'aurais pu voir. En fait, j'aurais pu courir pour essayer de voir où est le joueur. Vous voyez? Et bon, après, ça aurait pu aussi mal tourner. Donc voilà, on ne sait pas comment faire pour bien jouer dans ce genre de situation. Très clairement. Autant si je restais là, le joueur m'aurait pas vu. Mais là, vous allez voir que malheureusement, ça va pas se passer très bien pour moi. Sachant que voilà, on peut voir que les herbes sont très bien faites, n'est-ce pas, quand on zoome comme ça, quand on vise. Hein? Voilà. Le mec était en train de courir là. Et voilà, il m'a vu. Et voilà, il m'a tué. Voilà les gars, top 2, malheureusement, top 2. Très dommage, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est comme ça. Allez, portez-vous bien les mecs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde.